Je vais bientôt plus pouvoir vous... Capitaine ? Ouais. Grâce à vous, le port spatial a repris ses fonctions, ce qui va faciliter le commerce, mais aussi la venue de contrebandiers. On nous a rencardés sur un potentiel contrebandier faisant entrer des marchandises à New Atlantis par le port. Et il faudrait enquêter là-dessus. Eh bien, en matière de technologie, les criminels ont toujours eu une longueur d'avance. Ça n'a pas changé depuis des siècles. Les contrebandiers ont souvent des blindages spéciaux ou des brouilleurs pour esquiver les contrôles. Mais nous avons la chance de pouvoir recourir aux bonnes vieilles enquêtes pour arrêter ces criminels. Très bien. D'abord, parlez aux techniciens de l'aire d'atterrissage B. Demandez-leur s'ils n'auraient pas remarqué des activités suspectes. Quand vous aurez une piste, croisez leurs témoignages avec les manifestes de chez Aegis. Venez me faire votre rapport quand vous aurez terminé. Vous vous souvenez de votre mission pour l'agent Platon ? J'ai enfin eu l'occasion de lui demander une faveur. Je lui ai demandé de me donner les noms et les cargaisons de tous les vaisseaux de contrebande potentiels amarrés le mois dernier. Il a dit qu'il vous préparerait une tablette à examiner. À plus tard, capitaine. De boulot, tous les vaisseaux finissent par se ressembler. Écoutez, je bosse au port, c'est tout. Ma vie pourrait rentrer dans une de ces caisses, j'ai rien à cacher. Maintenant, si vous permettez, j'ai du boulot. Et si vous ne permettez pas, tant pis. Ok, bonjour. Ouais. Il était temps. Je parle de cette cargaison à mes superviseurs depuis des lustres. Je commençais à me dire qu'on m'ignorait. Je dirais la manière dont ils ont sorti la cargaison. Ils étaient bien trop délicats. D'après le manifeste, ils transportaient des pommes de terre. Des patates. J'ignore ce que contenaient ces caisses, mais c'était pas des patates. C'est bien là le problème. Je regarde jamais le nom du vaisseau quand je travaille, mais plutôt le numéro d'autorisation. Je crois que c'était UC-57-6B. Si ça peut vous aider, je sais que c'était un cargo. J'ai pas le temps. J'ai tellement hâte de retrouver Tony à bord. Vous êtes... Je ne suis pas autorisé à parler des activités de mon... Effectivement, capitaine. Le sergent Yumi m'a dit que vous viendriez le chercher. Et vous tombez à pic. Un de mes amis en poste sur une station secret défense m'a justement envoyé cette liste de contrebandiers présumés l'autre jour. Tenez, j'avais une dette envers vous. J'espère que ça vous sera utile. Oui, tous les vaisseaux énumérés passent par New Atlantis.
Ça n'a rien d'étonnant puisque nous sommes le plus grand port du coin. Et s'ils passent des marchandises là-bas, je peux vous assurer qu'ils en passent ici aussi. Tout à fait. Une station classée avec des projets secrets défense. Et de ce que m'indiquent mes renseignements, vous avez déjà posé le pied dans cette station. Donc je ne vous donnerai pas plus de détails. C'était un plaisir. Comment avance l'enquête ? C'est vrai ? Vous auriez son nom à tout hasard ? Le vaisseau du capitaine Ndiaye. Vous avez probablement mis dans le mille. Des rapports indiquent que son équipage s'est montré peu professionnel en plusieurs occasions. Être mal dégrossi n'est pas non plus un crime. Vous me confirmez qu'il s'agit du bon vaisseau ? L'étape suivante consiste à fouiller leurs marchandises à la recherche de contrebande. La chance nous sourit. Il me semble que la Nancy est déjà arrivée sur l'aire d'atterrissage B. Je donnerai l'ordre de retenir le vaisseau jusqu'à nouvelle instruction. Votre mission consiste à aborder le vaisseau, localiser les biens illicites et me les rapporter. Et si un membre d'équipage s'en prend à vous, vous saurez réagir en conséquence. Bonne chance. Bosser pour la sécurité de l'UC, je vous conseille de faire demi-tour et d'oublier ce que vous avez vu. Vous vous trompez de cible. Descendez de ce vaisseau et dites à votre patron qu'il règle. Personne ne vous oblige à rester ici. Faites-vous une faveur.
cherchez quelque chose? Quoi? Vous m'avez pincé, on dirait. Mes jours en tant que transporteuse de patates sont donc comptés. Mais vous pourriez peut-être vous contenter d'une tape sur la main pour un premier délit. J'imagine qu'un accord ne vous intéresse pas. C'est simple. Je vous donne une belle somme de crédit, vous tournez les talons, et vous dites à votre sergent que le vaisseau était clean. C'est regrettable, capitaine. Maintenant, c'est votre corps que je vais devoir dissimuler sur ce vaisseau. Vous l'aurez cherché. Comment avance l'enquête? Pas de contretemps? Beau travail. Vous avez trouvé quelque chose? Remarquable, capitaine. Une fois encore, vous nous sauvez la mise. Je m'en veux de vous faire faire la sécurité, avec votre expérience. Mais vos résultats valent bien ce léger désagrément. Quoi qu'il arrive, mon équipe dégagera l'aire d'atterrissage et fouillera le vaisseau. Alors assurez-vous qu'il n'y ait pas d'autres surprises à bord. Ah, avant que j'oublie. Votre paix. Vous l'avez bien méritée.